Ok, vous Où êtes prêts à faire la vidéo? On va en haut alors pour l'intro, non? Oh, tu as fait une plaque? Ah ouais, à côté de la maison de Cyril. Oh, j'ai un petit zombie derrière toi, Bipix, tu as un petit zombie derrière toi. Meurs, décède, crotte! Ok, vous êtes prêts? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série survie accompagnée de Carabinateur et Zenertex. Voilà, parce que j'aime bien. Bien, bonsoir. J'aime bien l'argent. Ouais. Pour quelle raison aimes-tu l'argent? Parce qu'on peut s'acheter plein de trucs avec. Donc ça, c'est désormais notre nouveau lieu d'intro et de outro. Petites avancées sur ce qu'on a fait. Cyril a terminé sa maison. Il y a Cyril. C'était que le toit. Oui, le toit. Enfin, c'est une belle maison. On dirait qu'il a du mépris dans sa voix, du genre. C'était qu'un toit. C'est joli. C'est joli, mais c'est pas comme si on avait dit qu'on faisait pas ça. Ah, le karma m'a rattrapé. Le karma m'a rattrapé. Il y a un zombie à ta porte. T'es un témoin de Jéhovah, laisse-le. Et Yann et Cyril ont amélioré un petit peu le cimetière des gros cons nés de patates. J'ai pas du tout planté des carottes sur une tombe. Pourquoi tu plantes des carottes sur une tombe? Bande de profaneurs. Et voilà, y'a plus qu'à attendre que ça pousse. Et bonne vidéo à tous. Et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Yann? Encore un peu de fer parce que c'est la dèche et... J'en ai récupéré un peu, ça. Combien? Une quarantaine. Mon objectif, je te le fais en 1000. Tu continues de m'interrompre, d'accord, on va... Bref. Tu continues. Oui, bah laisse-moi, tu m'as fait perdre la parole maintenant. J'ai retrouvé. Mon objectif étant d'aller dans le portail des enfers là-bas, de mener une petite expédition et de trouver les verrues de ton grand-père pour faire des potions. D'abord, tu vas aller chercher dans sa tombe ou ça se passe comment? Et du coup, ces potions me permettraient de soigner un zombie villageois et qu'on ait notre propre Albert le villageois. Et pendant que vous allez faire votre expédition, moi je vais miner parce que c'est la dèche. Non, viens, vite, tu n'as pas d'armure. J'ai laissé tomber la mienne dans la lave du Nether. Tu t'en fabriques. Tu peux rester avec moi si tu veux. On va faire plein de petits jeux. Ouais, un petit jeu. Quel genre de petit jeu? Oh, ici c'est un truc que Hamza a voulu rejoindre. Et voilà. Mais en vain. Et la pluie commence à tomber, donc c'est la bonne occasion de faire un discours triste. Vas-y, Yann. Peut-être que Hamza n'est plus parmi nous et en fait ne l'a pas vraiment été. C'est lequel, le chien d'Hamza? Mais les deux. Bah, déjà, vous avez irrespecté mon discours. Oui. Parce que c'était un discours pour un mort et tout. Du coup, vous serez maudit. Et du coup, cet antre, je sais plus où j'en étais. Une barre de poisson aujourd'hui. Oui, du coup, je disais, Hamza n'était plus parmi nous aujourd'hui et ne l'a peut-être pas été. Mais Iconoclaste restera avec nous. Cette créature du fond des abysses par là-bas. N'y va surtout pas, tu risques de décéder. Ok. Oh, je sais, est-ce que je peux faire du chantage? Combien tu dis de likes et on montre ce qu'il y avait là-dedans? Ouais, je dirais 35 ou 30. Ok, à 35 likes. Déjà pas mal. À 35 likes, on vous dévoile ce qu'il y a dans l'entrée des enfers. Et je vous fais un cookie. On y va. Attention, petit flash. Ça. Quel plaisir. Moi j'avais dit, pour une fois, on va toujours par le pont en face et à droite. Alors je dis, pour une fois, allons à gauche. Il y a un squelette qui me course. Mange ton épée. Oh non. Où est-ce qu'on va, Yon? Bah moi je dis, on continue tout droit jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose. Ok. Une verrue sera bien assez. Je le dis, ma pioche est presque morte. Ah bah dis donc, ça va très vite, hein. Oui, tête, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est mort. Bon, j'ai mort crafté, il fait une nouvelle. Juste, est-ce que on n'avait pas dit au début de l'épisode? Mais oh, c'est un marchand par épisode. Il y en a un dans la faille ici. Dans la grotte. Ah, je vais crever. Ah oui, ce que je disais, c'est Oui. Voilà, Bipix, je t'attends. Je disais donc un zombie villageois, Yann, il faut le capturer. Je disais donc, arrêtez de me couper la parole, c'est pas possible. Attends, voilà, j'ai oublié ce que je disais maintenant, bravo. Ah bah on te laisserait réfléchir, où est-ce que tu es? Vas-y, défonce-le. Bien ici. Bien c'est joué. C'est parti pour une nouvelle tombe. Ah, tu me craches pas dessus. Mais tu veux mourir, jeune bête? Tu en as marre de la vie, tu... Putain. T'as toujours pris que mort, le gros con des patates. Gros con nez de patate numéro 3. C'est comme des tickets de boucherie, dis sérieux. Sa mort n'était pas du tout triste, tout le monde s'en bat les steaks. J'ai trouvé la laisse. Attends, parce qu'il... Attends, c'est une blague. C'est une blague. Pourquoi est-ce que tu fais une tombe? Allez, c'est parti. Par contre, j'ai plus que droit de nourriture, donc s'il vous plaît, soyez gentils. Oh, t'es mort. Tout là-bas. Je creusais, je suis tombé sur de la lave. Ah, rien de spécial dans cet épisode, hein, à part le fait que je me suis fait cramer. Donc le mythe de les diamants sont autour de la lave est vérifié, donc si je creuse tout autour d'un lac de lave... Bon, tu sais quoi, je pense qu'on va aller chercher dans les coffres de la forteresse, parce qu'on a plus de chances de trouver des verrues. C'est parti, petit moment timelapse. Bonjour, j'aime les bourgs, j'apprécie quand il est lourd.
serait quand même pas mal de se débarrasser de quelques Wither, parce que si on tombe sur la tête, on pourra affronter le Wither. En plus, j'ai même pas affronté la dernière version du Wither, qui est apparemment beaucoup plus compliquée. Allez, on l'attaque. Oh, où sont les verrues? Ah, c'est parti, par où? J'ai continué tout droit. T'as pris le pont? Attends, il me semble que... Oui, c'est bon, j'ai pris le pont. Pourquoi t'as pris le pont? Ah, t'es là. J'ai cru que t'avais été au pont vers les piglins. T'as genre le bruit des briques qui se cassent. Du coup, génial, je disais, oui, allez, le Wither, maintenant, quand tu l'attaques, il dépose des fleurs, et si tu marches dessus, ça donne le Wither. Oh, enfin, effet Wither. Pourquoi je me fais mal? Bon, j'arrive, hein. On va bientôt instaurer quelque chose pour compter. On va compter en SSMC. Ah, une SSMC. Deux SSMC. Trois SSMC. Quatre SSMC. Quatre SSMC. Cinq SSMC. Bravo, tu es arrivé jusque 5. La semaine prochaine, nous allons faire l'alphabet. Je commence à manquer de bouffe, moi, alors. J'ai de la poudre de pierre lumineuse, mais je suis pas sûr que ça se mange. Bouffe la poudre, sniff la poudre. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. Tu sais, Bipix, un jour, maintenant qu'on a tous les trois, Red Dead Redemption pour monter le jeu. Attends, on va tout prendre, on va tout mettre dans un coffre collectif. Garde le diamant. Ah, ok. On a combien? On en a eu 3. Génial, donc en tout, on en a 7. Non, là, c'est un cul-de-sac de vie. Oh, des verrues du Nether. Ah, pardon, yeah. les verrues de ton grand-père. Ah elles sont par milliers, c'est bon, j'ai tout pris. J'ai... Je suis mort. Attends, j'arrive. J'ai tombé d'un centimètre. Ah oui, quand même, attends, parce qu'il est là, il combat une armée de blaze, hein. J'ai plus d'épée, alors j'y vais à la hache. Tueur. Mais non, pourquoi tu attaques le... Mais je pensais pas qu'il... Je pensais... Attaquer le bébé. Il a pris ton armure en plus, l'enfoiré. Ouais, je sais pour qui il se prenne. Plus, c'est une partie de ton stuff qui est tombé dans la lave. Ouais. Moi, j'ai récupéré ton armure. T'as buté le bébé, ça veut dire? Ouais. Bon débarras, grosse merde. Bébéticide. T'as son papa là-bas qui essaie d'arriver, mais bon. Non. Yann, derrière toi, il y a un blaze qui veut te faire la peau. Non. Ton père. Le gilet jaune. Ton père, littéralement. C'est parce que c'était le père du gamin que j'ai tué. Allez, on rentre à la base. Moi, j'aimerais bien, mais allons-y. Je peux pas courir, j'ai faim. Pourquoi j'ai pris feu au moment où je trouve du diamant? Pourquoi attention, la vie est-elle injuste? Attention, flash blanc. Ça m'a ramené chez moi. Allez, allons-y, les enfants. Attendez, je suis là. Attends, on va miser toute la vedette sur toi. Et en direct du journal Le Trésor, nous accueillons Cyril, 15 ans. Non, et nous... 16 ans. Ok, que pouvez-nous vous dire à propos de la déforestation agricolière des... Déforestation. Et tout ce qui va avec. Ça fait plus de place de la forêt. Ça fait plus de place pour des villes, écoutez, polluer, c'est tout ce que c'est génial. De toute façon, si vous voulez de l'air, achetez des ventilateurs et tout, c'est fini. On fait l'outro. Mais on t'a rien demandé déjà, toi. Tu dors. Vas-y. Et tu la fermes. Mais Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. SSC. Décembre. C'est parti. Merci à tous d'avoir regardé et pour voilà. Et porter des portes. Et voilà. Oui. Quelque chose à dire, Cyril? Quelque chose à dire pour votre défense? Manger 5 fruits et légumes par jour. Et vous?